Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, monsieur le vice-consul, celui-là. Mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette reprise du cycle de conférences à la découverte de l'Allemagne, qui nous permet de prendre un peu de hauteur sur les événements géopolitiques des 600 dernières années, et puis de voir un petit peu la géopolitique, les alliances, comment ça se passe, comment on fait les guerres, comment on les défait. Donc on avait eu un premier volet le 15 février qui s'était intéressé à la Prusse, ou comment les Hohenzollern avaient, en 1411 à 1871, transformé peu à peu une région marécageuse et sans accès à la mer, le Brandebourg, en un électorat du Saint-Empire romain germanique, qui était le Premier Reich, et puis en royaume de Prusse, et enfin en empire d'Allemagne, qui était donc le deuxième Reich. Le deuxième volet du 14 mars était concentré sur la Prusse et l'Allemagne, ou comment les Allemands, de 1871 à nos jours, sont passés du deuxième au troisième Reich, et puis à l'État fédéral. Les prochains volets vont donc maintenant rentrer de manière plus pointue sur ces dernières années de la montée en puissance de la Prusse, les années 1830, 1840, jusqu'à 1870. Chronologiquement, le troisième volet était consacré à la Prusse et à la Suisse, et il sera traité en dernier à la mi-novembre. Donc ça nous amène aujourd'hui donc au quatrième volet, qui portera sur la période 1853-1859, avec un éclairage ce matin sur la Prusse et la Russie, et cet après-midi sur la Prusse et l'Italie. Et je vous remercie, monsieur le vice-consul, de passer cette journée en notre compagnie. Cette première partie consacrée à la Russie nous plongera dans la guerre de Crimée de 1853-1856, avec une animation originale de points de repère qui va durer une heure. Nous enchaînerons après avec une première intervention de M. Jean-Christophe Emeneger, qui est spécialiste du renseignement Suisse-URSS-Russie, qui nous présenta ce conflit sous l'angle littéraire, cette fois. Et nous terminerons avec une courte présentation de l'historien Alain-Jacques Soustournard, que tout le monde connaît dans cette maison, puisqu'il fait partie de la commission historique de nos salons, qui nous parlera de la Légion suisse dans cette guerre de Crimée. Nous avions quitté Alexandre Ier lors de la campagne napoléonienne de Russie de 1812, place maintenant à son frère Nicolas Ier, qui va prendre le relais en 1825. Si vous cherchiez un lien entre la Russie et la Prusse, eh bien, je vous fais juge. Donc Nicolas Ier est le fils de la princesse Sophie Dorothée de Wurtemberg, l'époux de la princesse Charlotte de Prusse, elle-même fille de Frédéric Guillaume III de Prusse et de la princesse Louise de Mecklembourg-Strelitz. Donc il est leur beau-fils. Et il est aussi le beau-frère des futurs rois de Prusse, Frédéric Guillaume IV et Guillaume Ier, lui-même futur empereur d'Allemagne. Si jamais vous en voulez encore plus, ben parmi les alliances des 10 enfants de Nicolas Ier, citons le duc Maximilien de Leuchtenberg, en Bavière, la princesse Marie de Hesse et du Rhin, le landgrave héritier Frédéric de Hesse-Cassel, le roi Charles Ier de Wurtemberg, la princesse Alexandra de Saxe-Altenbourg, la princesse Alexandra Petrovna d'Oldenbourg, fille du prince d'Oldenbourg, qui est en Basse-Saxe, et de Thérèse Nassau-Wellbourg, future duchesse de Nassau, et enfin la princesse Cécile de Bade. Juste un petit lien avec l'Allemagne. Les couleurs de l'Empire de l'époque, c'est donc le même drapeau qu'aujourd'hui, avec le blanc pour le tsar, le bleu pour le ciel, et le rouge pour le peuple. Comme nous l'avions fait pour la Prusse et l'Allemagne, je vous propose d'écouter l'hymne impérial qui avait cours de 1833 à 1917, avec au passage le changement des souverains et le changement de drapeau. Il s'agit de « Dieu protège le tsar » qui a été repris,
qui avait repris l'hymne de son frère, qui était très anglophile, qui avait lui-même emprunté la musique du God Save the Queen, avec des paroles russes. Nicolas II, lui, il est plus orienté sur la Russie, et donc il va garder le titre, mais il va changer les paroles et la musique. Et pour nos amis italiens, en prime, un sous-titrage en italien. Cette journée en filigrane sous le patronage du général Dufour, médiateur et humanitaire, qui, lors de l'ouverture de la conférence de Genève du 8 août 1864, préparant la première convention du droit humanitaire international de Genève, avait eu ces mots. On ne se pénètre pas assez de la situation d'un homme servant comme simple soldat et qui, le plus souvent, après avoir supporté longtemps des privations de tout genre, arrive sur le champ de bataille, et là, après avoir combattu pour son drapeau, avec courage et dévouement, se trouve pour récompense livré à des douleurs qui vont jusqu'à la torture, auxquelles le moindre soulagement fait défaut et qui se double souvent des affreuses angoisses de l'abandon. Alors, place maintenant à cette guerre de Crimée. C'est un angle assez original que vous allez voir, puisqu'il va partir sous l'angle de la religion, qui est aussi un thème qui va guider, on va le voir cet après-midi, Napoléon III dans la guerre en Italie. Pour cette séance de projection, j'emprunte au cinéma cet avertissement à ceux qui auraient l'impression de lire le journal d'aujourd'hui. Toute vraisemblance avec des faits actuels est tout à fait fortuite. À chaque conflit majeur, c'est symbole. Ainsi, l'utilisation d'armements modernes comme l'artillerie lourde, la victoire grâce à l'industrie et la logistique, et l'enterrement dans les tranchées, semble tout droit désigner le premier conflit mondial. Car la Première Guerre mondiale eut ses précurseurs, en particulier un conflit aujourd'hui peu connu, mais qui fut l'événement majeur pour toute une génération, en tuant pas moins de 750 000 soldats. C'est la guerre de Crimée de 1853. Pour comprendre la guerre de Crimée, il faut d'abord parler d'un sujet joyeux, doux et pas du tout source de conflit, la religion. Il faut en effet saisir la différence entre le catholicisme et l'Église orthodoxe. Pour cela, il faut remonter 800 ans en arrière, en 1054. Cette année-là se déroule le Grand Schisme d'Orient. Grosso modo, à l'époque, la chrétienté est administrée par 5 personnes, que l'on appelle des patriarches. À chaque patriarche, sa ville.
Il y en a un à Alexandrie, un à Jérusalem, un à Antioche, un à Constantinople, et enfin un à Rome. Or, ce dernier se considère un peu comme le dirigeant de tous les autres. Bien sûr, cela déplaît fortement aux quatre premiers. Ces tensions de pouvoir entraînent querelle sur querelle, excommunication sur excommunication. Jusqu'à ce que les patriarcats d'Orient finissent par se séparer définitivement de Rome pour former l'Église orthodoxe actuelle. Vous avez donc deux religions en opposition. Attendez, en voilà une troisième. Si vous regardez le territoire orthodoxe, vous sentez bien que toute cette zone ne va pas rester sous domination chrétienne très longtemps. Et en effet, l'Empire arabe puis l'Empire ottoman vont enraciner l'islam dans la région. En particulier, ce dernier connaît une expansion importante sur le continent européen, les Turcs et leur formidable armée posant en 1529 le siège devant Vienne. L'Empire ottoman est alors à son apogée. Voilà donc dans les Balkans et le Proche-Orient les trois religions dont la rivalité va être primordiale dans la guerre de Crimée. Mais revenons au XIXe siècle. Le monde a alors bien changé. Là où les Ottomans étaient de fiers conquérants, inspirant la peur à tous leurs ennemis, ils sont maintenant un empire complètement décadent. Mais un empire décadent, très bien entouré, car il a comme voisin un empire, lui, en pleine expansion, l'Empire russe. Bien sûr, celui-ci ne se dérange pas, en challengeant de temps en temps les frontières turques. Sans grand risque d'ailleurs, car en 100 ans, il y eut 5 guerres russo-turques pour 5 défaites ottomanes. Mais la Russie n'est pas qu'un pays ambitieux. C'est aussi un État orthodoxe. Et elle compte bien protéger ses coreligionnaires sous le joug musulman. Quand les troupes russes défont encore une fois les Ottomans en 1774, on signe le traité de Kutchuk-Enerji, qui, du point de vue des Russes, leur donne le droit de protection des chrétiens, et en particulier des orthodoxes de l'Empire. Ainsi, les Russes interféreront de plus en plus dans les affaires ottomanes, lorsqu'ils considéreront que leurs coreligionnaires sont menacés. Au diable, la souveraineté ottomane. Il faut dire aussi que les Ottomans avaient une position de choix qui ne pouvait qu'attiser l'appétit des Russes. En effet, la capitale ottomane, Constantinople, s'étend de part et d'autre du détroit du Bosphore, qui fait le lien entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Et cette voie maritime va devenir une obsession pour les Russes. Et ce, pour deux raisons. La première est militaire. En effet, la Russie se veut une grande puissance, avec donc une grande marine. Mais comment faire quand celle-ci se trouve bloquée par la glace, en mer Blanche, 6 mois de l'année? La solution, placer une flotte sur une mer plus chaude, à savoir la mer Noire. Mais alors il faut être bien sûr que les détroits restent ouverts, car sinon la flotte n'est destinée à voguer que sur un lac, un grand lac certes, mais un lac quand même. Mais le détroit est aussi vital à l'économie russe, car là où l'exportation de bois et de fourrure par le nord du pays ne rapporte plus assez, le commerce entre les régions sud et le Danube avec le reste de l'Europe est florissant. Et quand on parle d'argent au XIXe siècle, un État est à peu près toujours là, c'est le Royaume-Uni. Pour accroître leur balance commerciale, les Britanniques sont prêts à tout. Ils ouvrent donc des États économiquement faibles au libre-échange, et s'il le faut, en les menaçant des canons de leur flotte. Profitant de leur vulnérabilité, ils détruisent de fait l'industrie locale, rendant ces pays dépendant de la couronne anglaise. L'Empire ottoman est l'un de ces états. Au XIXe siècle, c'est, pour les Anglais, un marché en plein essor. Et l'Empire russe, qui menace ce précieux partenaire, a aussi le mauvais goût d'être un concurrent notoire dans le commerce en mer Noire. Tout pousse alors les Britanniques à se faire défenseurs de l'indépendance ottomane. Comment ? En interférant eux aussi, à la place des Russes, dans les affaires internes de celui qu'on appelle déjà l'homme malade de l'Europe. Et la religion dans tout cela? Si vous croyez qu'en 800 ans, les orthodoxes et catholiques ont apaisé leurs esprits, vous vous trompez gravement. La tension est particulièrement importante en Terre Sainte, là où les lieux de pèlerinage se trouvent. Malheureusement, les deux religions en partagent certains. C'est le cas de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem,
lieu de première importance qui est visité par un nombre toujours croissant de pèlerins. En 1846, Pâques tombe le même jour, et pour les orthodoxes, et pour les catholiques. Une question cruciale se pose alors. Qui sera le premier à célébrer la messe? Les orthodoxes arrivent les premiers, ce qui énerve passablement les catholiques. Une bagarre s'engage alors et tout sert de projectile, bougie, calice, encensoir. L'autorité ottomane, musulmane, est même obligée d'investir le lieu pour rétablir l'ordre entre les chrétiens. Bilan de cet risque, 40 morts. Bref, la tension religieuse ne va qu'en s'aggravant. Pire encore, les églises sont soutenues par certains États. On a vu que les orthodoxes avaient les Russes, mais qu'ont les catholiques. C'est là que la France intervient. La France a en effet depuis de nombreux siècles entretenu des relations privilégiées avec l'Empire ottoman. Cela lui a permis de faire signer la capitulation de 1740 qui lui donne le droit de protection sur les chrétiens de l'Empire. Mais la France, en ce milieu de siècle, n'est pas motivée principalement par les questions religieuses, car ce qui l'anime par-dessus tout, c'est la politique de son nouveau régime. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut parler du 22 juillet 1832. Ce jour-là, dans le palais de Schönbrunn à Vienne, meurt le duc de Reichstadt. Me direz-vous, qu'importe. Mais pas du tout, car le jeune homme de 21 ans qui vient de mourir est l'unique enfant de Marie-Louise d'Autriche et de Napoléon Bonaparte. Ainsi, vient de s'éteindre l'unique descendant direct de l'empereur des Français. Où donc trouver un nouveau prétendant au trône impérial? Accrochez-vous, c'est un petit peu complexe. Napoléon, avant son mariage avec Marie-Louise, avait eu une première femme, Joséphine de Beauharnais. Veuve d'un noble décapité sous la Révolution française, elle avait eu deux enfants, un garçon et une fille prénommée Hortense. Comme le pouvoir est une question de famille chez les Bonaparte, cette dernière est mariée avec un des frères de Napoléon. Avec lui, elle a trois enfants. Le premier meurt en bas âge. Le deuxième meurt dans les troubles qui précèdent la guerre d'unification italienne. Le troisième, aux surprises, vit. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Il va être formé par sa mère, qui voit en lui, à juste titre, le prochain empereur. Ainsi, elle lui inculque son futur combat, à savoir le rétablissement de la France sur la scène politique européenne. En particulier, s'il y a bien une chose humiliante pour la France en ce milieu de siècle, c'est le traité de Vienne de 1815. Celui-ci a en effet déplacé le titre de puissance politique du continent européen, de la France, vers la Russie. Il s'agira donc d'enterrer ce traité et par là même la prépondérance russe. Mais comment faire loin du pouvoir? Louis-Napoléon va avoir de la chance. Car en 1848, la France est comme en 1830 et en 1789, elle est en révolution. Elle met à la porte son roi et la Deuxième République est proclamée. Il faut donc élire un président. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui gagne le scrutin. Mais il semblerait que, décidément, le poste de président ne suffise guère à un Bonaparte. Le 2 décembre 1851, un coup d'État a lieu et un an plus tard, le Second Empire est proclamé. Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Les catholiques d'Orient ont leur protecteur. Voilà donc, à la veille de la guerre de Crimée, trois puissances qui, pour des raisons diverses, pèsent de tout leur poids sur un État en décrépitude. La poudrière est prête, il ne manque plus que le briquet. Cette flamme, ce sera la religion. Les catholiques, bien moins nombreux que les orthodoxes en Terre Sainte, se sentent menacés. Ainsi, la France entame de longues négociations avec le gouvernement ottoman afin de les défendre. Celles-ci eurent en novembre 1852 de maigres résultats. Les catholiques, n'obtenant que les clés de certains lieux saints, précédemment exclusivité des orthodoxes. Ainsi, comme nous l'avons dit, des résultats bien pauvres. Mais pas pour les Russes, qui voient une atteinte à leurs droits. Cela touche particulièrement le tsar de l'époque, Nicolas Ier,
très attaché à ses liens avec les orthodoxes. Et son comportement va être une des raisons majeures du déclenchement de la guerre. Pour négocier le retrait des concessions ottomanes, le tsar envoie à Constantinople le prince Menchikov. Vétéran des guerres napoléoniennes et russo-ottomanes, il a la particularité d'avoir été castré lors d'une bataille contre les Turcs. Bref, le parfait diplomate a l'esprit conciliant. Et diplomate, Menchikov ne le fut pas, mais alors pas du tout, enchaînant les provocations. Par exemple, alors que le gouvernement turc le reçoit, il apparaît en tenue civile et non d'apparat. En parallèle, les demandes politiques de la Russie étaient tout aussi intolérables que la conduite de son corps diplomatique. En effet, Menchikov avait pour ordre d'obtenir des Turcs des droits d'une telle ampleur qu'il revenait à faire de ceux-ci les vassaux de Saint-Pétersbourg. Bien sûr, les Turcs refusèrent. Chacun des camps humiliés, les relations diplomatiques sont rompues le 21 mai 1853. Et le 24 juin de la même année, la guerre est déclarée. Pour l'instant, le conflit s'apparente à une énième confrontation russo-ottomane. Les Français et les Britanniques vont alors essayer de trouver une issue diplomatique qui satisfasse tous les partis. La Russie, elle, se dit prête à la paix, tant que les droits des orthodoxes seront clarifiés. Il n'y a donc pas à s'inquiéter, tout sera vite réglé. Mais ce petit jeu diplomatique va brusquement prendre fin. Depuis de nombreuses années, les Russes sont en guerre contre les populations révoltées de Circassie. Et comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis, les Turcs aident la lutte. Le moyen le plus rapide d'approvisionner ces territoires est par la mer. Mais la différence est de taille entre Ottomans et Russes, ces derniers possédant leur puissante flotte de mer Noire. Qu'importe, les Ottomans enverront leur logistique. Cette décision fait encore débat chez les historiens. Certains y voyant un stratagème ottoman pour forcer l'entrée en guerre des Occidentaux. Toujours est-il que le 30 novembre 1853 arriva ce qui devait arriver. Une flottille russe intercepta en effet le convoi ottoman dans la baie de Sinope. Il n'y eut pas de suspense. Les Russes et leurs boulets explosifs terrassant de loin les vieux bateaux ottomans. Mais les officiers russes décidèrent en plus de se rapprocher des bateaux déjà détruits, afin de s'assurer qu'aucun n'en réchapperait. Pire encore, ils bombardèrent et détruisirent ensuite la ville. Puis lors de la bataille de Sinope, 3000 morts côté ottoman, 37 côté russe. Mais ce n'est pas à cause de son bilan humain que la bataille est aujourd'hui connue. C'est surtout parce que celle-ci précipita l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Pourquoi ? D'une part, parce qu'elle montrait le bellicisme russe, mais surtout, à cause de la presse. Les journaux occidentaux de l'époque avaient une caractéristique commune. Ils étaient, à peu près tous, profondément russophobes. Tout ce qui pouvait avoir une influence russe était donc conspué par une large partie de la presse. Aucune personnalité ne semblait à l'abri. Ainsi, quand le prince Albert de Saxe-Cobourg marie la reine Victoria, fut accusé de sympathie pour la Russie, ce fut avec une telle violence que la reine même menaça d'abdiquer. Alors, de Sinope, on imaginait que la presse française, mais surtout britannique, va faire un scandale, mobilisant l'opinion et donc mettant une pression accrue sur les gouvernements. C'est ainsi que pour défendre leurs intérêts et pour satisfaire leur opinion, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre fin mars 1854. Une guerre russo-ottomane vient de dégénérer en guerre européenne. Ce qu'on appelle guerre de Crimée ne s'est pas déroulée uniquement en Crimée. Elle a eu trois théâtres d'affrontement principaux, tous autour de la mer Noire. La péninsule de Crimée, les Balkans et un front mineur avec les révoltés du Caucase. Les premiers combats vont avoir lieu exclusivement dans les Balkans. En effet, dès les premières heures de la guerre, en juin 1853, la Russie envahit la Valachie et la Moldavie. Ce front a plusieurs intérêts. D'une part, il permet le contrôle du Danube.
Mais surtout, il est propice à une marche vers Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, dont la prise serait un événement majeur. Ainsi, les deux camps, russe et ottoman, massent leurs forces dans cette région. Les combats sont féroces et la guerre prend parfois l'allure d'une véritable guerre de religion, avec des massacres de population. Pour ce qui est des forces en présence, les Russes ont l'avantage. En effet, l'armée ottomane est un mélange de toutes les populations de l'Empire, parlant des langues différentes et dépourvues d'administration centralisée. Bref, le désordre règne. Mais malgré tout, les Turcs vont faire du tort aux Russes. C'est en particulier le cas à Silistria, sur les bords du Danube. La ville est assiégée à partir de mai 1854 et les Ottomans vont s'y battre à 1 contre 3. Et pourtant, ils tiendront la ville jusqu'à ce que les Russes lèvent le siège. Car en juin 1854, les Russes se replient, évacuant même la Valachie et la Moldavie. Pourquoi ? Il y a deux raisons. La première est l'arrivée progressive des armées occidentales pendant l'été 1854. La deuxième est l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois est un empire majeur. À l'époque, il entretenait d'étroites relations avec son voisin russe, à tel point que l'alliance entre les deux pays avait été une composante majeure de la scène politique européenne. Mais cet État avait ses faiblesses. En effet, il avait en son sein de nombreux peuples qui, le plus souvent, aspiraient à leur indépendance. C'était en particulier le cas des populations slaves. Alors, bien entendu, quand la Russie, État slave par excellence, envahit une partie de l'Empire ottoman, cela crée des troubles dans les populations, certes sous domination turque, mais aussi sous le joug austro-hongrois. C'est ainsi que, pour calmer ces troubles, l'Autriche va faire volte-face et exercer une pression de plus en plus importante sur la Russie, la menaçant même d'entrer en guerre aux côtés des Occidentaux. Et Nicolas Ier ne peut se permettre de voir son armée prise à revers par le Nord. C'est ainsi que la retraite est ordonnée, la guerre dans les Balkans est terminée. Mais où sont les Français, où sont les Anglais? Un peu plus au sud de Silistria, à Varna. Le déplacement des troupes a pris du temps, beaucoup de temps. Et les armées occidentales, enfin prêtes au combat, voilà que les Russes se replient, laissant les alliés complètement désœuvrés. Karl Marx, alors journaliste, écrira « 80 à 90 000 soldats anglais et français, ils sont là, les Français ne faisant rien, et les Anglais les aidant aussi rapidement qu'ils le peuvent. » Que faire alors? D'autant que le séjour à Varna ne va pas être de tout repos. D'une part, les alliés vont faire l'expérience d'une maladie commune dans le delta du Danube, le choléra. Et celui-ci va faire des ravages pendant toute la guerre, les Français perdant jusqu'à 60 hommes par jour. D'autre part, en août 1854, par une chaude nuit d'été, un feu se déclare à Varna. Rapidement incontrôlable, il menace bientôt les réserves durement transportées. Les munitions parviennent à être sauvées, mais pas les vivres. Bref, la situation des troupes à Varna devient intolérable. C'est ainsi que pour justifier le coût de la guerre et aussi pour définitivement faire taire les ambitions russes dans la région, l'état-major allié décide un débarquement en Crimée. Pourquoi cette cible? Après tout, le centre politique se trouve plus au nord, à Saint-Pétersbourg. En fait, la Crimée est avant tout un symbole, car elle est la perle de l'Empire. Elle a été cédée aux Russes lors du traité de Kouchouk-Enerji et marque ostensiblement leur volonté de s'imposer en mer Noire. Dans cet objectif, la régente de l'époque, Catherine la Grande, a eu l'ambition de développer fortement la péninsule. Ainsi, elle a fait sortir de terre des villes. C'est le cas d'Odessa, mais surtout de Sébastopol. C'est cette ville qui va nous intéresser en particulier, car si Odessa est un port de commerce, Sébastopol est un port militaire. C'est tout simplement la base de la flotte russe en mer Noire.
Ainsi, s'attaquer et prendre cet arsenal, c'est complètement neutraliser les ambitions russes dans la région. D'où la décision des Alliés. Ainsi, le 14 septembre 1854, 42 ans jour pour jour après l'entrée en Russie de Napoléon Ier, les Français et les Anglais débarquent à Evpatoria, au nord de Sébastopol. Ils marchent vers la ville et rencontrent le 20 septembre les Russes sur les rives de l'Alma. La première grande bataille des Alliés va pouvoir débuter. Et assurément, ils ont l'avantage. Car si les Russes battent facilement les Ottomans, ils ne font pas de poids face aux armées occidentales modernes. En effet, leur armée est figée dans un autre camp. Dirigée par des généraux incompétents qui prennent grand soin à la parade, elle néglige totalement l'armement. Ainsi, alors que les Français et les Anglais donnent à leurs hommes des fusils miniers, les Russes sont encore équipés de mousquets tirant quatre fois moins loin. Les Russes se feront donc tailler en pièces, mais en ligne parfaite. En plus de leur armement supérieur, les Alliés vont pouvoir compter sur l'expérience des Français en matière de combat terrestre. En particulier, un corps d'armée va se distinguer, ce sont les Zouaves. Et à Alma, leur action va être décisive. Les Russes se sont retranchés sur les hauteurs entourant la route vers Sébastopol, bien décidés à tenir. Les officiers estiment pouvoir défendre la position au moins une semaine, donnant le temps à la ville de se fortifier. Confiants, peut-être trop, les généraux ont même invité les femmes à assister à la bataille. Inutile après tout de s'inquiéter de l'aile gauche dépourvue d'artillerie. Les collines de ce versant sont bien trop hautes. Mais le jour de la bataille, les Zouaves vont réussir à escalader ces pans et même à y transporter leur artillerie. Les Russes sont pris à revers, c'est la déroute. La voie vers Sébastopol est ouverte. Mais la ville n'est pas du tout prête à endurer un assaut. Sébastopol se décompose en deux parties. La partie nord, faiblement défendue, et la partie sud, comptant quelques forts. Le tout est séparé par une large rade. Les rares fortifications ont été peu entretenues et ne peuvent faire face à l'attaque d'armées modernes. Ce manque d'investissement et d'infrastructures se fait d'ailleurs ressentir sur toute la Crimée. Ce problème n'est d'ailleurs pas nouveau, car quand Catherine la Grande vint visiter la région en 1787, elle s'extasia des infrastructures et de l'aménagement du territoire. En réalité, tout était faux. Et la légende raconte même que les villages qu'elle traversait n'étaient que de vulgaires décors de théâtre. Faute à la gestion rapace du ministre qui donnera son nom à ceci, les villages Potemkin. Bref, la bataille de l'Alma laisse peu d'espoir à la ville. Si peu que le général en chef de l'armée de Crimée décide de n'y laisser que le strict minimum en hommes en attendant les renforts au nord dans une optique de reprendre la ville aux Alliés. Mais les Russes vont avoir la chance, car certains décriront les armées alliées en ces termes des lions dirigés par des ânes. Les officiers français et britanniques vont en effet accumuler les erreurs. La première d'entre elles est le fait d'attaquer la ville par le sud, là où les fortifications sont les plus fortes. La seconde est de poser le siège devant Sébastopol. En effet, a posteriori, il semblerait que la ville aurait rapidement cédé sous un assaut. Mais les officiers ne voulaient pas éprouver leurs hommes dans une action qui serait forcément très meurtrière. Noble sentiment, mais ridicule quand on regarde le nombre d'hommes qui vont mourir pendant le siège. Ainsi, d'une bataille qui aurait pu être rapide, les Alliés vont en faire un siège éprouvant de 349 jours. Il va concentrer les forces de tous les belligérants, les épuisant petit à petit, faisant de la prise de la ville le point crucial de la guerre. Ainsi, la guerre de Crimée trouvera sa fin ou dans l'échec ou dans la réussite du siège de Sébastopol. Le siège décidé, le principal problème des Alliés est l'approvisionnement massif en hommes, vivres et munitions. Pour ce faire, ils vont utiliser les ports du sud de la ville, Kamiech pour les Français et Balaklava
pour les Anglais. Tout le transport se fera donc par bateau. Et nul besoin d'avoir peur d'attaques en mer Noire, la marine britannique, déjà puissante, a fait si peur aux Russes qu'aucun bateau n'est sorti de Sébastopol. Pire encore, les assiégés ont condamné l'accès à la rade en y coulant plusieurs de leurs vaisseaux. Bref, si les Russes veulent perturber la logistique alliée, ils doivent attaquer les ports. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Ce sera la bataille de Balaclava. Le 25 octobre, face aux 5000 Anglais et Turcs qui défendent le port, les Russes alignent 60 000 hommes et de l'artillerie. Malgré les redoutes et leurs canons, les collines entourant la ville sont rapidement prises. Balaclava semble perdu et les Russes lancent leur cavalerie qui fond sur la ville. C'est là qu'intervient le premier des symboles de la bataille. Car alors que les chevaux dévalent la pente, le 93e régiment des Highlanders leur fait face. En ligne de 2 hommes d'épaisseur, calme, ils ne déchirent leurs fusils qu'une fois l'ennemi à portée. C'est l'épisode de la Thin Red Line. L'organisation de la troupe, la précision du fusil minier et l'intervention express de la cavalerie anglaise repoussent les Russes. Et à ce moment-là, il faut parler du commandant en chef de l'armée britannique, Lord Raglan. À l'époque, il a près de 70 ans. Secrétaire du duc de Wellington pendant les guerres napoléoniennes, il a perdu un bras pendant la bataille de Waterloo. Et depuis, dans sa carrière militaire, quasiment plus rien. C'est donc un vieux général ancré dans un autre temps et particulièrement incompétent sur les bords. Mais un vieux général qui a de l'honneur. Et en particulier, alors que son mentor Wellington n'avait pas perdu un seul canon de toute sa carrière, il ne veut pas voir les canons des redoutes capturées partir à l'ennemi. Pour éviter cela et reprendre les collines, il ordonne alors ce qui restera dans l'histoire comme The Charge of the Light Brigade. Les débats sont encore aujourd'hui nombreux sur qui peut être tenu pour responsable de cette action. Mais toujours est-il que les faits sont là. En effet, la Light Brigade se lance dans la vallée, entre les positions russes du matin et les positions anglaises capturées. Cela fait donc une artillerie ennemie du côté gauche et une autre du côté droit. Ce feu croisé va faire des ravages parmi les unités. Pire encore, au lieu de tourner à droite, la brigade continue vers le fond de la vallée, là où une autre série de canons attend les cavaliers. Bref, la moitié de l'unité est tuée, blessée ou faite prisonnière, pour une action finalement inutile. Sans réel coup d'éclat des deux côtés, la bataille semble un match nul, mais elle remonte ostensiblement le moral des Russes, durement atteints après Alma. Finalement, Sébastopol ne se laissera pas prendre si facilement. C'est alors que les Russes essaient de forcer leur chance. Ils remarquent que la ligne de siège est particulièrement faible sur le côté est de la ville. Tenu par les Anglais, Raglan, encore lui, n'avait pas pu la renforcer, faute d'hommes. Ainsi, face aux 35 000 Russes, les Anglais en alignent à peine 3 000. Mais tout n'est pas rose du côté des assiégés. D'une part, le tsar met une pression conséquente sur les généraux, envoyant ses propres fils assister à la bataille. Et d'autre part, le commandement est donné à des généraux qui brillent par le nombre de défaites. Tout cela va amener à une des batailles les plus sanglantes de la guerre, Inkermann. Le plan russe est le suivant. Prendre le mont Inkermann, y installer une artillerie et pilonner le camp britannique en contrebas, ainsi que les lignes de siège à l'ouest. Le plan présuppose aussi une attaque selon trois fronts et nécessite donc une parfaite coordination entre les armées. Mais de coordination, les Russes n'en eurent pas du tout. Le 4 novembre au matin, l'ascension commence. Aidés par un épais brouillard, les positions anglaises sont rapidement balayées. La route vers le camp britannique est ouverte.
Mais le manque de visibilité, qui pour l'instant a servi les Russes, se retourne brusquement contre eux. En effet, faute de voir leurs officiers, les soldats se répandent bientôt en désordre, pillant les redoutes capturées et n'écoutant qu'à peine les ordres. Ainsi, alors que les Russes avaient l'avantage, les Anglais parviennent à se reformer et offrent une résistance farouche. Toutefois, le nombre d'assaillants étant trop important, on pense bientôt à se replier. C'est alors que les Français arrivent à point nommé, et pas n'importe lesquels, les Zouaves. Contrairement à toutes les autres armées, ils ont l'habitude de se battre en montagne et sont regroupés en très petites unités. Ainsi, malgré le brouillard, la troupe reste très organisée. Dans le camp russe, l'euphorie de la victoire facile laisse bientôt place à la panique totale. Les combats sont féroces sur les monts et à midi, la défaite russe est actée. Les estimations varient, mais environ 15 000 Russes furent tués ou blessés ce jour-là. L'humiliation est totale. Mais les Alliés ne vont pas pouvoir profiter de leur victoire bien longtemps, car le 14 novembre arrive le meilleur allié des Russes, l'hiver. En effet, le soir, un ouragan s'abat sur les côtes de Crimée. Les campements sont détruits et de nombreux bateaux de ravitaillement coulent. Pire encore, faute de préparation suffisante et la croyance chez les officiers qu'après tout, l'hiver russe en Crimée n'est pas si difficile, les hommes manquent de tout, et en particulier de vêtements d'hiver. Pour y parer, un élan national britannique va permettre la confection maison d'une tenue d'un tout nouveau genre qui, transportée jusqu'au port anglais de Crimée, portera son nom. C'est la balaclava, ou cagoule en anglais. Le froid va faire de très nombreuses victimes parmi les belligérants, et les engelures et amputations vont se succéder. Cela, associé aux maladies comme le choléra qui n'en démord pas, et aux sévices de la guerre, met en tension permanente des services de santé déjà fragiles. Les médecins sont désemparés. Ignorant l'hygiène, ils perdent nombre de leurs patients. Ils doivent aussi faire face à des blessures d'un tout nouveau genre, causées par l'artillerie de dernière génération, mais surtout à cause de ces cartouches modernes qui brisent les os de ceux qu'elles touchent. Dans ce combat quotidien, les Français et leur système de santé d'arrière ligne sont les mieux servis. Au contraire, les soldats britanniques et russes doivent être transportés par route ou par bateau dans des hôpitaux loin du front. Dans ces deux camps, deux figures vont se distinguer. D'une part, Nikolaï Pirogov, chirurgien russe de Sébastopol, pionnier dans les règles d'hygiène. Mais surtout, Florence Nightingale, issue des hautes sphères britanniques, qui prend en charge l'hôpital militaire anglais et va s'efforcer de réduire le bilan humain. Toute dévouée à sa tâche, elle prendra l'habitude de visiter les blessés la nuit, à la lumière d'une lampe. Ainsi, encensée par la presse, elle reste dans l'histoire, comme la dame à la lampe. Avec la fin de l'hiver, les conditions de vie s'améliorent finalement. L'approvisionnement en munitions aussi. Malgré la distance, les Alliés sont beaucoup plus efficaces dans la logistique, utilisant leur puissante marine et industrie. Alors que les Russes, à l'industrialisation balbutiante, voire inexistante, doivent utiliser les routes de Crimée, qui bien sûr n'ont jamais été entretenues. Chacun attend impatiemment la fin de la guerre. Cet espoir est encore ravivé par l'annonce de la mort de Nicolas Ier. Celui qu'on tient pour responsable du conflit a en effet succombé au chagrin de voir l'héritage de sa famille, qui était l'expansion russe au sud, menacé par ses actions. Son fils, Alexandre II, réputé plus libéral, lui succède. Toutefois, le nouveau tsar n'acceptera jamais un traité humiliant pour la Russie. La paix
va devoir encore attendre. Et quoi de mieux pour la paix que prendre la ville pour laquelle tous se battent depuis si longtemps? Les alliés amassent alors une artillerie de siège jamais vue jusqu'alors. À partir du 9 avril 1855, et ce pendant 10 jours, ils vont tirer 160 000 obus. Puis, plus rien. Les défenses de la ville sont bien trop solides. En effet, depuis Alma, les Russes n'ont cessé de renforcer leurs fortifications. En particulier, deux ouvrages se distinguent. Le premier, mineur, est le Grand Redan. Le second, bien plus connu, est la tour Malakhov. Cette dernière est la clé de voûte de l'appareil de défense russe. La prendre, c'est faire tomber la ville. Mais tous savent que sa prise sera extrêmement sanglante. On tente une première attaque le 18 juin. L'assaut se fera au beau milieu de la nuit. Mais il nécessite de traverser un champ à découvert de plusieurs centaines de mètres face aux canons russes. De plus, les officiers français, dans leur incurie totale, ont jugé bon de ne pas faire de bombardement préalable. Bref, la défaite est cuisante et des milliers de soldats majoritairement français meurent dans la bataille. Ce bilan humain et catastrophique épuisera d'ailleurs les dernières forces de Raglan qui meurent peu après. Que faire alors du côté des alliés? Il serait humiliant de rembarquer maintenant. Mais il est tout aussi inacceptable de passer un second hiver sur les bords de la mer Noire. Ainsi, il faut persévérer et apprendre de ses erreurs. Premièrement, la distance bien trop grande entre les tranchées alliées et les fortifications russes doit être comblée. Ainsi, les Britanniques creusent en direction du Grand Redan et les Français de Malakhov. Cette opération a un coût humain exorbitant, les assiégeants perdant jusqu'à 300 hommes par jour. Toutefois, les Anglais ne sont plus qu'à 200 mètres et les Français à 20. Deuxièmement, on se rend compte qu'un bombardement préliminaire est nécessaire. Ainsi, du 5 au 8 septembre, les Alliés lancent 150 000 obus. Les tirs s'arrêtent le matin du 8. Puis, plus rien. Pendant toute la matinée, les Russes attendent et les Alliés ne bougent pas. Que font-ils ? À midi, les défenseurs se disent que l'attaque sera dans la soirée et opèrent donc la relève. C'est à ce moment-là, profitant de l'abandon momentané des postes, que les Français et les Anglais se ruent au dehors. Après un combat féroce, Malakhov tombe. Le commandant de la première division française, qui deviendra président de la République, Patrice de MacMahon, s'exclamera alors en des termes qui resteront dans l'histoire. J'y suis, j'y reste. Les Russes s'attendaient de toute façon à perdre la ville. Ils venaient de finir la construction de leur issue de secours, un immense pont de près d'un kilomètre reliant la partie sud et la partie nord de la rade. Le jour de la prise de Malakhov, l'évacuation commence. Et le lendemain matin, la cité est complètement abandonnée. À la manière de Moscou en 1812, les Russes ont donné le soin à certains de leurs soldats d'incendier et d'achever la destruction totale de la cité. Un des officiers en charge de cette gageure, qui sera parmi les derniers à évacuer, gagnera une grande popularité avec le récit qu'il fera du siège. Cet officier, c'est Léon Tolstoï. Il écrira « J'ai pleuré quand j'ai vu la ville en flammes et les drapeaux sur nos bastions. » Sous bien des aspects, c'était une journée très triste. Sébastopol est donc prise. Mais après, la Russie est-elle envahie? Non. Son cœur politique menacé? Non plus. Du point de vue du tsar, la guerre peut continuer. Mais de nombreuses choses montrent que la lutte doit prendre fin. D'une part, les populations civiles souhaitent ardemment une fin du conflit.
C'est particulièrement le cas chez les Russes, Français et Ottomans. De loin, ceux qui ont le plus souffert de la guerre. D'autre part, la perte de Sébastopol entame fortement le mythe déjà fragile d'une Russie invincible. Ainsi, si la guerre persiste, l'Autriche menace de se ranger définitivement du côté des Alliés. Pour éviter la défaite complète, Alexandre II accepte finalement de participer aux négociations de paix. Elles s'ouvrent à Paris le 25 février 1856, montrant l'importance nouvelle de la France sur la scène politique européenne. Les Alliés s'y montrent assez désunis. Les Anglais, voulant une destruction totale de l'influence russe dans le sud européen, s'opposent aux Français, qui tentent de se rapprocher de la Russie. En effet, après l'avoir défait, la France voit en son ancien ennemi un puissant allié capable d'appuyer ses ambitions européennes. En particulier, s'il y a bien une chose que les Français souhaitent maintenant que leur pays a retrouvé sa place, c'est reprendre la Savoie et le comté de Nice. Mais l'Autriche s'y oppose. Le plan français est donc d'aider la révolte du royaume de Piémont-Sardaigne, tandis que les Russes mobiliseront leurs troupes à la frontière, obligeant les Autrichiens à maintenir une force suffisante à l'est. Bien sûr, les Russes, dans un esprit de vengeance de la trahison autrichienne de 1854, acceptent. Ce sont alors les prémices de la guerre d'unification italienne. Celle-ci va mettre à mal l'Empire autrichien, jusque-là relativement puissant. Pour ce qui est de l'influence russe au sud, le Congrès décide de lui ôter toute possession autour du Danube. Elle perd donc un tiers de la Bessarabie, qui s'unit à la Valachie et à la Moldavie. C'est la proclamation de la Roumanie moderne. Et les clauses pérennes du traité de Paris s'arrêtent là. En effet, à la faveur de jeux diplomatiques, la marine russe se réimplantera en mer Noire en moins de 30 ans. La pression religieuse permanente du voisin slave sur l'Empire ottoman s'efface certes, mais pour laisser la place à l'ingérence des Occidentaux, provoquant une déliquescence croissante du pays. Et plus grave encore, les Russes vont continuer à exercer une forte influence sur les États balkaniques. Car après s'être fait défenseur des orthodoxes, les dirigeants russes se tournent vers les Slaves. Et des Slaves, il y en a dans les deux États mourants de l'Europe, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie. Une autre poudrière se prépare, le briquet cette fois-ci ce sera un pistolet, et le conflit sera plus long, plus meurtrier, plus marquant enfin, à savoir... Et donc, vu l'hécatombe, si on veut, de cette guerre de Crimée, je me suis tourné vers l'intelligence artificielle pour lui demander, territorialement, quelle est la différence avant et après la Crimée. Et ben voilà la réponse. Donc, en gros, on parle d'un impact significatif, mais quand on regarde la réalité, avant la guerre, la Crimée était rattachée à l'Empire. Après la guerre, les Russes sont défaits, mais ils ont conservé la Crimée. C'est-à-dire que vraiment, est-ce que tout ça valait 700 000 morts? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà.